Chers amis, bonjour à vous et à vous. J'espère que vous allez bien hein, avec ce beau, beau, beau soleil. Alors, il y a 15 jours, moi, je vous ai parlé de football. J'espère d'ailleurs que vous serez au rendez-vous vendredi soir pour la grande ouverture de cet Euro et surtout samedi pour soutenir les Belges. Parce que je vous ai parlé de football, oui, mais je vous ai parlé de football en relation avec la littérature et en relation en particulier avec la poésie. Alors voici le deuxième volet, en fait. Je vais maintenant vous parler de quelques poètes qui pourraient vraiment vous accompagner cet été. Vous allez voir, très différents, ça vaut absolument la peine. Le premier, c'est Philippe Matty. J'aime beaucoup, beaucoup Philippe Matty. Voilà ce qu'il vient de sortir il y a peu de temps. Ça s'appelle Dans le vent pourpre. Et alors, il y a de très belles gouaches à l'intérieur de ce livre de André Ruel. Vous avez d'ailleurs déjà une de ces gouaches sur la couverture. Alors moi j'aime beaucoup Philippe Matty, il y a une magnifique sensualité dans sa poésie et je trouve qu'il a un art de partir de situations tout à fait proches de nous dans le quotidien et de les conduire plus loin. J'ai retenu deux exemples. Le premier qui est lié à la coccinelle. Je vous lis, hein. Simple douceur. Soucieuse d'ascension, une coccinelle avance sur la main, léger chatouillis. Tout en haut du doigt, elle regarde le bleu d'un ciel trop lointain. Elle ouvre les ailes, veut rejoindre une branche, une fleur, peut-être un brin d'herbe, qu'importe, pourvu qu'on lui tende la main. Ça n'a l'air de rien, mais cette coccinelle-là, poétiquement, elle prend quand même fameusement son envol. Il parle, c'est beaucoup plus loin alors dans le livre, des pierres. Vous connaissez hein, ce vieux slogan, objets inanimés, avez-vous donc une âme? Pierre. Pierre des falaises, pierre des criques, pierre visible dans la transparence de l'eau, pierre des chemins. Parle-moi des pierres, confie-moi leur fin. Fais-les rouler dans les mains de la lumière, approche-les de mes oreilles, qu'elles me confient des histoires de voyage, des chansons vertes comme feuilles au printemps, sombres comme des racines. Parle-moi des pierres dont ma fronde a besoin pour briser, lors des jours froids, la vitre glacée de vivre. Voilà, Philippe Matty, Dans le vent pourpre, vous ne le regretterez pas, les éditions L'herbe qui tremble. Les poètes ont toujours l'art d'avoir des noms d'éditeurs qui chantent bien. Le deuxième auteur, vous le connaissez, hein, il s'appelle Yves Namur. Il est le secrétaire perpétuel de l'Académie de langue et de littérature française de Belgique. Il est l'éditeur responsable des éditions Le Taillis-Près. Il est aussi le directeur du Journal des poètes. Yves Namur, un poète très très reconnu, très célébré aussi, qui nous offre aujourd'hui chez Arfouillin, un excellent éditeur et Arfouillin, Dis-moi quelque chose. Alors, Dis-moi quelque chose, ce sont dans le fond des tout petits fragments, ce sont des brèves. Vous n'avez chaque fois que six versets, mais moi j'aime beaucoup ce côté très litanique. Car chaque poème, chaque mini-poème, pourrait-on dire, commence par Dis-moi quelque chose. Et ainsi, tout au long du livre, et ça nous conduit loin. Hein? Exemple. Dis-moi quelque chose à partager avec la nuit des obscurs, des sans-couronne, des sans-voix, des sans-papiers, des sans vraiment besoin de paraître. Il y a chaque fois une chute qui donne toute sa densité à ce cisain ici, c'était, vous l'avez peut-être reconnu, au parc Maximilien. Tout autre chose. Dis-moi quelque chose qui grimpe facilement à l'échelle, s'approche du ciel et touche peut-être du doigt la seule faute de Dieu. Et enfin, dis-moi quelque chose à laisser devant la maison. Une vie nécessaire ou une rose attentive, un rien, un tout petit rien qui connaisse l'incertitude. Franchement, si vous voulez une litanie
qui vous parle, si vous voulez des poèmes que vous pouvez dire à haute voix, que vous pouvez réciter, vous pouvez entrer à n'importe quel endroit du livre. Il n'y a pas un ordre particulier, puisque c'est toujours « Dis-moi quelque chose » chez Arfouillin, Yves Namur. Et enfin, quelques mots d'un magnifique poète, d'un immense poète qui vient de nous quitter il y a quelques mois. Il est décédé en février dernier, très exactement le 24 février, à la veille de ses 95 ans. C'est Philippe Jacotet. Philippe Jacotet, je l'ai lu, relu, relu, je le cite à n'en pas finir, et notamment à partir de son livre de base qui s'appelle « La semaison ». Ce sont des carnets, ce sont des petits extraits, des petites phrases au jour le jour. La semaison, c'est la dispersion naturelle des graines d'une plante, nous dit le littré. Alors, la clarté Notre-Dame, qui vient de sortir quelques jours après son décès, c'est assez extraordinaire, c'est pratiquement la finale, si vous voulez, de la semaison, 30 ans, 40 ans après. Alors, qu'est-ce que c'est la clarté Notre-Dame? Je vous lis deux ou trois petits extraits. Ne pas oublier ce printemps, la petite cloche des vêpres à la clarté Notre-Dame. D'une incroyable limpidité dans le grand paysage gris et silencieux, vraiment comme une espèce de parole, un tintement pur, léger, fragile et pourtant net dans la distance grise de l'air. Vous ne savez pas encore avec ça tout à fait ce qu'est la clarté Notre-Dame. J'y viens. Il faut préciser que c'était une vraie cloche, si humble fut-elle, qui avait résonné là. Je savais où elle se trouvait, à quoi elle devait servir. Je pouvais même imaginer qu'en l'entendant, les rares sœurs habitant ce couvent au beau nom de la Clarté Notre-Dame devaient quitter l'une un jardin dont elle ameublissait le sol pour quelques semis de printemps, d'autres leur atelier de reliure ou la cellule à l'abri de laquelle peut-être la plus âgée d'entre elles s'était un instant reposée. À l'image, c'est surtout pour ça que je vous lis cet extrait, à l'image de ces petits troupeaux qu'un enfant berger essaie de conduire à l'abreuvoir avant de les rassembler dans leur enclos. Vous imaginez ces vieilles religieuses qui sont dispersées dans leur couvent et qu'un enfant berger conduit à l'abreuvoir, c'est-à-dire à la célébration. Sauf que c'était là quelques agnelles silencieuses, obéissantes et cherchant à maintenir ou à accroître encore au fond d'elles-mêmes la mansuétude et la pureté de leur maître. Tout à la fin, et vraiment à la fin puisqu'il va mourir, Philippe Jacotet nous donne une double clé de lecture de son œuvre. Il dit que dans le fond, dans son parcours, il a titubé entre deux aspects de son expérience. Un, le recueil des signes, qui est presque toute ma poésie. C'est absolument vrai, c'est bien cela, hein, la cloche, la toute petite cloche de la clarté Notre-Dame. Donc tout un bouquin, 40 pages, uniquement sur cette cloche. Donc il prend un signe ordinaire, par exemple ici la cloche du prieuré, et il en fait 40 pages d'un poème magnifique. Et de l'autre côté, je le cite, l'effroi grandissant de celui qui marche dans le corridor d'une prison de Syrie, et ne pourra plus jamais effacer de son esprit les cris qu'il a entendus monter d'un des plus bas cercles de l'enfer. C'est tout à fait Philippe Jacotet. Il est devant cette petite cloche qui appelle des vieilles religieuses à célébrer les vêpres, et il est dans les prisons de Syrie où la torture fait hurler à mort, et il relie les deux dans une œuvre absolument exceptionnelle. Philippe Jacotet, c'est chez Gallimard. Voilà, vous avez largement de quoi vous laisser accompagner par ces trois poètes cet été. À bientôt.